piano pour une cause. Cette mentalité-là de partage, d'amitié, de fraternité, vivre en paix, c'est tellement sympa. On chante tout ça. L'envie d'aimer est un cadeau, un mouvement de l'infini, un langage qui nous unit au-delà des phrases et des mots. Les hommes ont la même histoire, parfois le même chemin. Toi et moi, c'est dans l'espoir qu'on veut construire demain. De se mettre ensemble pour chanter, parce qu'on pense que chanter c'est un bon véhicule justement pour faire partager nos idées. En fait, voilà, c'est le partage. C'est-à-dire qu'en dehors de la musique, on partage aussi des passions qu'on a, un savoir-faire qu'on peut échanger. C'est un petit peu ce qui nous unit ensemble. Je suis heureux de dire. La solidarité, le respect de l'autre, le bien vivre ensemble, la poésie, tu vois, ça contient beaucoup de qualités de vie que nous estimons importantes pour que l'existence des êtres humains sur cette terre soit bien. Croyons que nous pouvons nous libérer, ayons la foi en notre destinée. Chacun possède au fond de lui une âme, et l'amour, que nous soyons hommes ou femmes. Il y a les ailes du désir, les rivières de l'espérance, mais la regarder sourire, c'est déjà faire sa connaissance. Elle vous emmène par le bras, vous propose de vous asseoir, et parfois le temps d'un repas, elle vous raconte son histoire. Elle vient d'une terre vallonnée, faite de gens simples et d'espace, si calme qu'il faut lui pardonner son entrain et son audace. Comme un soleil de juillet dans le ciel de mai des bois, elle a remis mon voilier sur l'océan de l'espoir. Et je reste à rêver pour elle de voyages et de balancelles, d'une terre exempte de toute maladie, où s'aimer n'est pas qu'un mot qu'on dit. Imaginez que chacun de ce monde reconnaissant, fin que sans nos échanges, la vie serait impossible et immonde, sans même l'idée de ce que sont les anges. Une vie meilleure serait certaine, avec plus d'amour, peu de haine, avec plus de bonheur, de joie, et moins de peur, et moins de loi. Une vie plus belle serait réelle, faisant s'éteindre bien des querelles. Une vie plus belle ferait sans voile briller le monde telle une étoile. Chanter à deux, c'est très émouvant, parce qu'il y a une affaire de complicité. Et à trois, avec le piano, c'est quelque chose de tellement fort. Il y a une espèce de communion qui peu à peu s'installe. Et ça, après, c'est une force pour, je pense, pour le public. Je pense qu'un spectacle le plus fort, c'est quand on partage vraiment dans l'harmonie, la compréhension mutuelle, une émotion qu'on offre comme ça au public. Pour moi, c'est magique. Rien qu'une fleur sur les hauteurs, trois grains de terre pour qu'elle prospère, trois gouttes d'eau, c'est déjà trop, et pourtant elle résiste, et pourtant elle... Le but, quand on monte un spectacle comme ça avec cœur et avec beaucoup d'enthousiasme, on espère, moi par rapport à mon expérience d'accompagnateur, on a envie de porter ça partout. Et étant donné que ce sont des idées un peu universelles et que ce sont des chansons françaises, je crois que le but que l'on auquel on pense,
c'est vraiment pouvoir passer les frontières et aller porter la bonne parole, entre guillemets, en tant que chanson française et en tant qu'idée. On a réuni à part égale des titres de Patrick, de moi, dont on fait parole et musique, quelques textes de mon papa, et puis on a travaillé avec Claude pour le piano, pour qu'il nous fasse des arrangements. Il a réécrit des interprétations un petit peu différentes, pianistiques, pour que ça sonne vraiment un côté live comme ça. Faire grossir, besoin d'argent pour les millionnaires, faut pas stopper leur joie pécuniaire. Besoin d'argent pour les milliardaires, faut qu'ils survivent eux aussi sur terre. Un monde sans clé, sans canasse, sans verrou, sans désir de voler, où partout c'est chez nous. Un monde sans clé, posé sur l'aile du respect, que seul l'amour et le vrai peuvent faire exister. Vieillir ensemble pour voir en nous l'amour. Vieillir ensemble et nous sourire toujours. Vieillir ensemble et découvrir chaque jour qu'on peut s'aimer jusqu'au dernier jour. Ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a quand même une complicité, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, c'est ce qui ressort. Ah, ensemble, vous chantez, le piano, ça s'accorde. Les gens ressentent vraiment ce qu'on veut véhiculer, et ça, c'est. Ça, c'est le but, voilà. Parlez-moi du jour qui se lève. Parlez-moi du temps qu'il a fait. Parlez-moi des oiseaux du ciel. Oui, mais parlez-moi d'amour. Parlez-moi des joies bien trop brèves. Parlez-moi des champs de bleuets. Parlez-moi des saveurs du miel. Oui, mais parlez-moi d'amour. Parlez-moi des prochaines élections. Parlez-moi des gens de pouvoir. Parlez-moi de ceux qui nous volent. Oui, mais parlez-moi d'amour. Parlez-moi de vos déceptions. Parlez-moi de vos tristes soirs. Parlez-moi de vos vaines paroles. Oui, mais parlez-moi d'amour. Parlez-moi des gens bien trop mal. Parlez-moi de l'été qui vient. Parlez-moi du jour qui s'achève. Oui, mais parlez-moi d'amour. Parlez-moi du monde qui s'éveille. Parlez-moi du mal et du bien. Parlez-moi de vos querelles. Oui, mais parlez-moi d'amour. Parlez-moi des gens malheureux. Parlez-moi des enfants qui pleurent. Parlez-moi. Oui, mais parlez-moi d'amour. Parlez-moi des corps douloureux. Parlez-moi
des peuples qui meurent. Parlez-moi des races qui s'éteignent. Oui, mais parlez-moi d'amour.